Bonjour et bienvenue dans la Minute de Sarah, où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, c'est suite à plusieurs interventions que j'ai dû avoir avec différents patients qui clairement avaient été partis dans de mauvaises directions en termes de comportement, géraient mal des situations. Et c'est voilà, quand on se rend compte qu'on est à côté du sujet, qu'on est à côté de la plaque, que notre émotionnel nous a entraînés exactement là où il ne fallait pas aller, qu'on se met à dire des choses qu'il ne faut pas dire, qu'on envoie les textos qu'il ne faut pas envoyer, que l'on se met en colère alors qu'il fallait absolument l'éviter. Cette minute de Sarah est pour vous. À l'époque où je faisais de la moto, et ça a duré un certain nombre d'années, il y a une règle en moto que le père de mes enfants m'avait transmise, qui était que quelquefois on monte sur sa moto et puis là on se rend compte que ça ne matche pas du tout, on n'est pas dans le flow, ça se passe mal, on manque à chaque instant de tomber ou de rentrer dans une voiture ou de se faire emboutir. Et il m'avait dit, écoute, si tu constates ça, tu t'arrêtes sur le bas-côté, tu coupes le contact, tu descends de ta moto et puis tu attends quelques minutes que le flow passe et tu vas remonter après sur ta moto et ça va aller beaucoup mieux. Et c'est effectivement ce que j'ai toujours fait, à savoir poser ma moto, descendre de ma moto, attendre un moment que ça passe et quand je remontais, quelque chose de différent s'était passé. On connaît ça également tous ces matins où on se lève, on se lève pas de la bonne façon, tout démarre mal. Et là, vraiment, si on a la possibilité de se poser, de faire 5 minutes de respiration synchronisée cardiaque en fermant les yeux, je mettrai le lien de cette respiration synchronisée cardiaque, eh bien, vous allez en quelque sorte vous rappeler que lorsque vous passez en rythme alpha, c'est-à-dire que lorsque vous fermez les yeux et que vous rentrez dans cette respiration en 5 temps, inspire, 5 temps, souffle, eh bien, vous allez modifier votre rythme cérébral, vous allez avoir une pensée toutes les 3 à 7 secondes, et de ce fait, vous allez comme faire un reset de vous, de votre journée, et c'est extrêmement efficace. Donc, faites-le, n'hésitez pas. Je voulais donner une troisième métaphore. J'étais au printemps de cette année dans un Club Med au Portugal où il y a du golf et il y avait des gens qui justement étaient dans avoir de mauvaises habitudes, continuer à avoir de mauvais mouvements au golf. Et il y avait un champion très très haut niveau de golf qui était là, probablement mandaté par le Club Med, et qui suivait les participants sur les terrains. Et il avait donné à plusieurs un truc qui était de faire du golf en se tenant sur un pied. Et là encore, c'est intéressant parce qu'il s'agit de changer son focus, il s'agit de rompre complètement un pattern, de rompre complètement des habitudes, une façon d'être, de casser notre structure, de la modifier complètement en faisant quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, remettre le compteur à zéro et partir sur autre chose. Alors, c'est parti. Même si aujourd'hui, je me rends compte que je suis à côté de la plaque. Et vous inspirez profondément. Et il est urgent pour moi de remettre le compteur à zéro. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, je choisis d'imaginer que la magie entre à nouveau dans ma vie. Inspirez. Inspirez profondément. Et j'imagine les heures qui arrivent sous un autre angle. Inspirez. Inspirez profondément. Et j'autorise à nouveau les bonnes surprises à rentrer dans cette journée. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis délibérément de me tourner vers ce qui va me faire du bien. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis délibérément de me mettre en dehors de ce circuit qui me perturbe, et cela pendant quelques instants. Inspirez. Inspirez profondément. Je prends conscience de la nécessité de sortir du circuit. Inspirez. Inspirez profondément.
Je remets mon compteur à zéro. Inspirez. Inspirez profondément. Je n'hésite pas à sortir. Inspirez. Inspirez profondément. Je n'hésite pas à me taire. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, tranquillement, je peux rentrer à nouveau dans le flux. Inspirez. Inspirez profondément. Eh bien, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter et puis à très vite.